Jason! Jason! Je suis là, vieux! J'y suis presque! Putain, mais dites-moi que c'est une blague! Tu parles d'un patelin. Mais bordel, où est-ce qu'on a encore atterri? Faut remonter à la surface, retrouver le reste de l'équipe et demander une médévac. On se trouve pas dans une cache d'armes, là, mais on peut pas dire que ça manque d'Irakiens. Nick? Sergent Kay, il faut te ressaisir. Allez! J'ai vu un truc. Comment ça, t'as vu un truc? C'était pas un humain. Dans le tunnel. J'aurais jamais dû quitter l'hélico. Putain, je savais que t'étais pas encore prêt. Mais nom de Dieu! Pas la peine de mêler Dieu à toutes ces conneries. Maintenant, t'as intérêt à fermer ta gueule. T'as intérêt à te ressaisir immédiatement ou on va se faire buter tous les deux. C'est pas des conneries. Stop, c'est terminé, sergent. T'as vu que dalle. Y a un truc qui cloche. Je sais que tu le sens. Ce que je sens pour le moment, c'est que tu commences à me les briser. T'avais déjà vu un truc pareil? C'est quoi cet endroit? Je sais pas. J'ai une buse en histoire. Ce truc est plus lourd que prévu. Aide-moi. Je vais avoir besoin de tes muscles. Tu fais plus tes abdos? C'est Merwin. Bon sang, je fais de mon mieux. Arrêtez un peu de chicoter aussi. Il perd trop de sang. Il faut qu'on l'exfiltre plus vite. Tiens bon, mon pote. On est là. Nick, j'ai besoin de toi. Coupe-moi ces câbles. C'est moche, là, il est foutu. T'as conscience que je t'entends? Tu vas t'en tirer, mon grand. Accroche-toi. La morphine dans mon sac. Prends-la. On va te remettre sur lui. Merde. Maniez-vous un peu. On fait vite. Montez la garde. La garde? C'était quoi? C'est pas vrai. Qui a préparé ces sacs? Mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? Clarisse? C'était quoi, ça? Bouge vite! Où est passé? Mais c'est quoi, ce bordel? En avant!
Merde! Il perd trop de sang! Faut arrêter l'hémorragie! Merde! Ça donne quoi? Tu veux la version cool ou pas cool? Sois honnête avec moi! On va pas se mentir. C'est pas joli du tout. Je sais pas ce qu'il rôde, mais il les attire! Il s'agit de trop! Pas le bruit de la morphine! Ferme-le! Ferme-le, putain! Doucement, tu vas finir par le tuer! Nick, j'ai besoin de toi! Tu vas le tuer! Nick, tu vas l'étouffer! Je sens plus son pouls. Je le sens plus, putain! C'est pas vrai! Je voulais pas! Nick, c'est fini! Merwin est mort! أنا الملازم سليم عثمان لكل الجنود أنتوا فين؟ حول أنت فين؟ هو البتاع ده ماشي؟ كابتن دار إذا تسمعني عندي رسالة حول كابتن زفت دار إذا قادر تسمعني أنا مش عارف في 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 كهف بحاول أخرج حول أخس كان عندي مشاريع النهاردة استحمى اسمع موسيقى احتفل عيد ميلاد ابني بس لا دقوا على باب انا لا لما كان جايين لما كان جايين بص احنا فين دلوقتي انا ما عارف انا فين في حد موجود هنا Okay.
Allô ? من هناك. Bien que tout va s'effondrer. Où sont passés les soldats? Je sais pas. C'est allé trop vite. Le sol m'a comme avalé. T'as vu le sergent Kay et Kotchek? La dernière fois, ils étaient ensemble. J'ai essayé, mais il y a quelque chose qui brouille le signal. C'est peut-être une autre issue. Je sais pas. C'est la seule solution. Allez! Vite! Depuis quand tu donnes les ordres? Diriger, c'est mon boulot. Mousqueton, extenseur, corde, lampe. Merde. Ok. C'est bon? C'est bon. Allons-y. Une jolie chute vers l'inconnu. On a une corde. Regarde, il y a un courant d'air. On escalade. Depuis quand tu fumes, toi? Pardon? Ton briquet? Ah, oh, c'est rien. Je l'ai pris comme ça, à la base. T'es paré? Et toi? Cet endroit n'a vraiment rien d'une cache d'armes. S'il n'y a rien ici, pourquoi on nous a attaqués? Parce que c'est la guerre. Les gens ont tendance à se flinguer. On va
dire qu'on est en train de passer un bon moment. Toi et moi, on n'a jamais eu la même notion des bons moments. Ça te rappelle pas le bon vieux temps ? Quoi ? La solitude, tu veux dire ? Ça a l'air vieux. Vieux ? C'est antique. Ce sont des cunéiformes. Sumériens, peut-être. C'est quoi ce lieu ? T'es sacrément calé en histoire ? Je me doutais pas. Peut-être que tu sais pas tout sur moi. Ça paraît stable ? Ouais, ça a l'air. T'as l'air de bien supporter la pression. C'est quoi ce lieu, tu crois ? J'en sais rien. On dirait des gravures religieuses. J'ai l'impression que c'est un temple. C'est Pazuzu. Pazuzu quoi ? Pazuzu. Tu regardes pas de films d'horreur ? Tu connais la réponse. C'est un démon sumérien. Il est lié à des fléaux, je crois. Fléaux et démons. Cool. C'est impressionnant. Je m'attendais pas du tout à ça. Cool, pile ce qu'il nous faut. Tu penses qu'elle s'ouvre ? On dirait bien qu'elle est scellée. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas entendu ? J'ai rien entendu. J'ai cru entendre un truc. Même en ruine, cet endroit est vraiment unique. Des coups de feu. D'où ça peut venir ?
qu'on se bouge. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est profond. Tu crois que c'est risqué? On n'a pas le choix. Prends la corde. On descend. On n'est pas les premiers. Bon sang. C'est sûrement ça que Kellus a détecté. Comment t'as pu te tromper à ce point? Regarde un peu. On a vécu toutes ces galères, pourquoi? Quelques tonneaux et des caisses? Je retiendrai la leçon. Je vais mettre les bouchées doubles pour réécrire le programme. Kellus sera encore plus puissant. Tu ne m'en crois pas capable? Tu ne crois pas en moi? Inutile qu'on se flagelle pour ça. Concentrons-nous sur le présent et trouvons un moyen de sortir. C'est quoi ce bruit? Un affaissement? À cause des répliques? On dirait du matériel archéologique. Quelqu'un a étudié ces ruines. Ces lampes pourront nous être utiles. Elles guideront les soldats jusqu'à nous. Tu crois que ça marche encore? J'en suis sûr. Faut du carburant. On doit en trouver. Tu sois, Nick. J'espère que ça va. Pardon? T'as dit un truc? Non, c'est rien. Il faut que tu vois ça. À toutes les unités, ici King. Quelqu'un me reçoit? Terminé. Le démarrer. Merde, un sacré tas de feux d'artifice. Mais pourquoi faire ça? T'as vu cet endroit? Ça paraît dément. Ici King, à toutes les unités, vous me recevez? Terminé. Je commence à croire que même les Irakiens ne connaissent pas cet endroit.
Comment un site aussi vaste a-t-il pu rester caché aussi longtemps? Encore des tonnes de dynamite ici. Pourquoi il leur en fallait autant? Ça se voit qu'ils ont bloqué la porte en catastrophe. On dirait un geste désespéré. Je me demande qui ils fuyaient. Qu'est-ce qui les menaçait autant pour qu'ils aient besoin de tout ce matos ? Prends ça, merci. Eric, viens m'aider avec ces bidons. La chance a fini par revenir. Ça va, ta jambe? Quoi? Oh, tu parles de ma prothèse. Ma jambe, elle est restée sur l'autoroute. Ne me dis pas que tu vas me ressortir le même refrain. C'est le passé, et ça craint. Mais on peut absolument rien y changer. Un conseil. Tourne la page. J'ai tourné la page. Mais c'est toi qui conduisais, tu te souviens? Oh, ferme-la, Eric. Merde. Éclaire le réservoir. Oh merde. Un problème? C'est desserré. Cette saleté de valve fuit. C'est réparable? Faut resserrer le tuyau avant de lancer le générateur. Y a forcément de quoi le réparer. T'en sors? T'inquiète. Ce que t'as dit à la base, tu te trompais. Je me trompe rarement. T'as dit que rien n'avait changé entre nous. Moi, j'ai changé. Pendant tout ce temps passé loin l'un de l'autre, je ne pensais qu'à toi. Tu ne ressens pas la même chose? Même un peu. Je pensais ce que j'ai dit. Tout s'est brisé entre nous quand ce camion a heurté ma voiture. Rien n'a changé. Ce n'est pas du tout ce que je ressens. Et moi, c'est ce que je ressens. Tiens-moi ce tuyau. C'est bon. Et aide-moi avec ce panneau. Regarde un peu leur état. Elles sont mortes. On pourrait faire en sorte d'éviter de s'engueuler. J'essaie de bosser. Pourquoi on a tout gâché? J'ai essayé. Mais t'as rien fait pour que je reste avec toi. On aurait dû s'accrocher. Je crois que ni toi ni moi n'imaginions qu'on resterait éloignés si longtemps. Cette dernière année, je l'ai consacrée à Kellus. Et
J'ai fait abstraction du reste. Ça ressemble plus à une excuse toute trouvée qu'à un mea culpa. Ni l'un ni l'autre, c'est la vérité. Tu parles. Tu savais même pas si Kellus fonctionnerait. Rachel. Dis-moi ce que tu penses. Tu m'as manqué, Rachel. Tu n'imagines pas. À l'époque, je sais pas, tout semblait complexe, mais... maintenant, tout paraît plus simple. C'est le passé, Eric. Il faut qu'on arrive à tourner la page et qu'on pense à l'avenir. Sinon, on va finir par ressasser les mêmes choses. Je préfère me tourner vers l'avenir. Du jus. Si ces gens ont pu entrer, c'est qu'il y a une issue. Fouillons les environs. De pas avoir demandé de renfort aérien. Et voilà, tu lis encore dans mes pensées.
endroit commence à me mettre un peu mal à l'aise. Eric, regarde ça. Pourquoi mettre une mitrailleuse ici? C'est un modèle de la Deuxième Guerre. Ça correspond à l'époque des archéologues. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'en sortent les autres, tu crois? C'est des durs. Je me fais aucun souci. Ils tiendront le coup. Ces montagnes faisaient peur aux habitants. On peut les comprendre. Peut-être qu'on aurait dû escalader pour sortir de la caverne. À mon avis, si ces gens étaient bien là avant nous, c'est qu'il y a une autre issue. Eric, regarde ça. Tu crois qu'il fonctionne? Essayons, ok? La bande est toute emmêlée. Ça va, c'est réparable. Quand est-ce que t'as retiré ton alliance? La tienne, tu l'as ôtée quand? Jamais. Elle est contre mon cœur. Je l'ai retiré quand je suis parti. C'est fini, Eric. Je n'ai pas oublié ce que cette bague représente. Mais t'as raison. C'est peut-être trop tard. Arrête, s'il te plaît. J'ai rencontré quelqu'un. Je crois, oui. Les eaux de ce temple baignent dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré. Et réveiller une présence ancienne et dangereuse. Une malédiction qui prend une forme purement indescriptible. Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance, inconscients des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert, sans le savoir, les portes vers la peur. Je crois de dépasser que je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tout jamais. Pour l'humanité. Marie. Oi. Merde. Bordel! J'en sais rien, Nick. C'était pas censé se dérouler comme ça. Patrouille, Easy King! Bon sang, répondez! On subit des tirs, quelqu'un pour moi, terminé! C'est Rachel! King, ici Mailman 2-1 actuel, répétez, terminé! King, ici Mailman 2-1 actuel, est-ce que vous me recevez? Merde!
quelqu'un de simple dans ce Troara ? C'est de la folie, cette corde a des siècles. On n'a pas le choix. Est-ce que tu le vois ? Ouais, il arrive. Dans quel cauchemar ces pauvres âmes ont-elles donc échoué? Les ténèbres ont englouti la pauvre Rachel. Quid de Jason et Nick? Ils sont frères d'armes, mais sont-ils aussi proches qu'il y paraît? Ou alors se plieront-ils au jeu du chacun pour soi? Notons tout de même qu'ils ont laissé le caporal Merwin en proie aux ténèbres, et l'aube est encore loin. Ce qui nous amène à Salim. Il semble raisonnable. Un soldat presque malgré lui, peut-être. Un destin peu enviable attend maintenant nos survivants, piégés sous la terre, engloutis par le néant. Une par une, leurs lumières cesseront de briller, à moins que vous ne trouviez un moyen de les sauver. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires d'autrui d'ordinaire, mais cela rend les choses intéressantes. Je pourrais vous adresser un conseil, si toutefois vous me promettez
que cela restera entre nous. Un choix prudent, tout bien considéré. J'ai autrefois croisé la route d'un poète aveugle qui m'a fait part de cette sage réflexion. Long et dur est le chemin qui de l'enfer conduit à la lumière. Ce sera tout.